Le problème, c'est que je ne sais pas tellement où je dois aller. Je remonte par là. Est-ce que je dois tuer tous les ennemis? Ou est-ce que j'ai un truc à faire au-dessus? Je pense que je dois tuer tous les ennemis, mais je vais réfléchir pour pas m'en payer. Et le problème, c'est tous ceux en armure, ils sont tous ensemble. Là. Il y en a deux qui sont buggés en plus, qui sont des câlins là. Est-ce que je peux tenter de me les faire comme ça? Mais il faut combien de flèches pour mourir lui? Putain, mais le gyroscope là, allez! Je me rapproche de lui. Non, parce que si je peux nettoyer un peu à l'arc avant de devoir descendre. Ah, bordel. Non, mais là, il s'est pris 4 flèches, par contre. Faudrait peut-être pas déconner. Voilà. 5 flèches, ça commence à faire un peu beaucoup. J'imagine que ceux en armure... Oh, putain, il y a un collier. D'ici, est-ce que je puisse aller le chercher, le collier? J'ai fait B au lieu de faire A. Ok. Un de moins. Ensuite. Viens avec moi. À poil. Attaque. J'avais déjà toutes mes flèches en fait. Ok, combien il nous en reste? Je vais dégager le chemin.
leurs armes là parce que sinon ils les récupèrent. Alors, il en reste 1, 2, 3, 4, au moins 4. Toi, je t'avais pas vu. Normalement, il doit en rester 4 maintenant. Allez, viens voir la dame. On vient voir le monsieur, mais... À poil. Plus de casque. Ça va, ça se gère. Un par un, ça se gère. Tant qu'ils m'arrivent pas dessus, tous ensemble, ça va se gérer. Toi, on va aller bazarder dans l'escalier. Et on va faire une petite sauvegarde. Ok. Ici, il y a des armes partout, par contre. Il nous en fallait combien des ceintures de... Je sais pas quoi, là. Une vingtaine, hein, je crois. Il nous en fallait une vingtaine. Ok. Je vais déplacer son épée. Il voulait me mettre une claque avec, avec son bras. C'était mignon. Il m'a regardé genre, tu fais quoi? Ok. Qu'est-ce que je fais? Je me casse ou... Il y a quelque chose à voir? Dans la suite du château ou pas?
Désolée pour le silence, mais... Oh, j'étais ultra concentrée. C'est l'extérieur du château. Aïe. Ah. Bon, de toute façon, il n'y a rien à voir. Un jour, tu joueras à Breath of the Wild. Et les barrières n'existeront plus. Y a rien à voir, c'est dommage. Enfin, c'est joli, hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas genre des petits détails. Mais c'est chouette quand même. J'ai envie d'aller là-bas parce qu'il y a une espèce de grotte. Allez. Bon, cassez-vous maintenant, le héros du temps, c'est moi, ok? J'ai envie... Ben, dans les escaliers, je peux regarder en l'air, tiens. J'ai envie de regarder vite fait comment sont foutus les tableaux avant de me barrer. Comment on était censé ne pas le cramer dans Breath of the Wild que c'était le roi, hein, franchement. Tous ceux qui ont déjà joué à la licence Zelda savent à quoi ressemble le roi d'Hyrule. Je suis en train de checker s'il n'y a pas des petits passages secrets et tout avant de me barrer. Bon, allez. Attends. T'as rien à me dire? Bien, nous sommes prêts. Monte vite dans le bateau, retournons à la forteresse maudite pour porter secours à ta sœur. Allez vite. Ok. Allez, c'était joli. C'était chouette, ça m'a fait plaisir de voir ça. Je pensais le jeu beaucoup plus long, mais... Question... Je sais pas où je dois aller en fait, hein, mais il est gentil lui. On va aller voir Terry déjà.
Il y a plein d'îles que j'ai pas faites. Mais je t'en prie. Bye. Ben, je sais pas trop où aller là, quoi faire. Je retournerai bien faire un tour à... Que ce soit Terry. À Mercantile, là. Voir s'il y a des choses qui ont changé. Le dieu des tornades, celui dont la stèle est cassée, là, ouais, on l'a rencontré, mais... On dirait que le nuage essaie de nous attraper, là. C'est trop bizarre. Il faut appeler Michel Gros-Désir. Mais oui, mais... je peux pas. Parce que Michel, il est pas là. Oh, la grosse tornade. C'est Sea of Thieves, c'est fini la bêta. Faut que j'attende qu'il sorte maintenant. Il sortira pas avant le mois de mars, donc... Je l'ai vu dans les tornades. Comment ça? Dans les Moi, quand je vais dans les tornades, elles me déplacent juste. Ah. Cessez d'importuner les dieux, pitoyables êtres humains! Ou les tornades du furieux Cyclos vous enverront à l'autre bout des mers! D'accord. J'y vais, hein. Ah bah oui, mais non, mais là, c'est trop tard, les mecs. Obito, est-ce que ça va? Ce dieu Cyclos semble vraiment très en colère contre les humains. Méfie-toi, la prochaine fois que tu verras des tornades sur les flots. Remarque, si nous arrivions à nous servir de ces tornades, nous pourrions sûrement nous déplacer beaucoup plus vite. Mais si tu te servais de ton arme qui tire à distance pour pouvoir utiliser les tornades de Cyclos... Hein? D'accord. Fallait taper avant. Oui, mais vous m'avez dit d'aller dans la tornade. Moi, je suis allée dans la tornade. Et une fois que j'étais emportée par la tornade, vous m'avez dit tape-lui dessus. Ouais, c'est trop tard. C'est les décalages. C'est le problème du décalage du chat. J'aime pas quand c'est la nuit, y a plus de musique. Thank you.
Break. Le trésor. Des rubis. Oui, c'est tout le temps des rubis, donc forcément. Hein. Pas trop de surprises. Mais c'est pas trop, c'est pas tant oh fait chier encore du fric, c'est plutôt oh fait chier c'est toujours du fric, tu vois ce que je veux dire? Tout le temps la même chose, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que c'est là, gauche? C'est quoi gauche? C'est un bateau? C'est une petite île, ça. Ah non, ça a l'air d'être genre une toute petite île. On va filer de la bouffe au poisson. Il va me dire où on est. Alors. Et salut petit gars. Et je t'écoute, je suppose que tu veux que je te complète ta carte et que je te donne des infos sur les environs. Alors déplie ta carte. On dirait une cacahuète. Quand la lune est en forme de croissant, ouvert vers le haut, méfie-toi. Je ne peux te dire que ça. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger. Ok. Faut que je me méfie de la zone. Ou tout court. C'est pas très clair cette histoire. Mais calme-toi, toi. Ça va, on a le temps. Hein. J'ai le temps de devenir adulte. Hein. Non, mais on peut vraiment rien leur faire aux crabes, en fait. Je peux pas passer. Bon, bah, tant pis. J'ai du courrier. Hey, good evening. Vous avez du courrier. Lettre reçue 1. Lettre numéro 1. Mon cher Popito, comment vas-tu? As-tu encore assez de soupe de mémé? Où es-tu donc? Qui sait? Tu n'es peut-être pas si loin. J'espère que tu n'as pas faim. J'espère que tu n'es pas blessé. Je sais que tu dois traverser encore des moments difficiles, mon Popito. C'est bon savoir. As-tu assez de rubis? Ce n'est pas grand-chose, mais je t'envoie ce que j'ai économisé. Fais un bon usage. Je n'ai besoin de rien d'autre que de vous revoir, toi et Ariel. Revenez-moi vite et en bonne santé. Mémé. Oh, c'est gentil, Mémé. Arrête de me donner tes sous, Mémé. La lune, elle est en croissant, mais vers le bas. Pour vous diriger vers l'île Géminée, poursuivez votre route vers l'ouest. D'accord. Tiens, genre, tu veux dire que... Si tu suis la logique... Breath of the Wild, machin... Ça veut dire que, en gros... Si Hyrule a été immergé,
l'île Géminée, c'est le haut de la montagne des monts Géminées. Donc ça voudrait dire que toutes les îles qu'on voit là sont les parties émergées. Les parties émergées de toutes les montagnes d'Hyrule, quoi. Mais tu m'étonnes que tu t'emmerdes, je pense pas qu'il y ait 40 000 personnes qui viennent régulièrement ici, mec, hein. Si, si, il y a Siri qui s'est déclenchée, mais Siri, elle se déclenche jamais quand je dis « dis Siri ». Mais par contre, elle se déclenche pour tout et n'importe quoi d'autre, c'est génial. Ah, dans Breath of the Wild, la description des cristaux de sel te dit qu'Hyrule devait être englouti sous plein d'eau pour que le sel apparaisse. Hein ? Ça alors, toi ici. Pardon. Oui ? Si tu as confiance en ton tir, tu devrais jouer. Si 53 000 la partie, tu joues ? Je dois faire quoi ? Ah bon, alors. J'ai entendu dire que tu avais une grande confiance en ton tir, mon gaillard. Non, je l'ai fait plus dépressif que ça, genre plus. Nous sommes des pirates sans merci, qui n'avons que faire des orphelins. Montre-nous ce que tu sais faire. Tu vois ces 5 navires pirates en face, si tu parviens à les couler, nous reconnaîtrons ton adresse. Mais attention, tu devras y arriver avec 10 boulets seulement. Utilise L pour viser et A pour tirer. Regarde bien où l'eau jaillit. C'est compris? J'ai rien compris, mais on va dire que oui. Si tu arrives à couler les 5 navires pirates, nous accepterons de partager leur trésor avec toi. Allez, bon courage. Beaucoup trop loin. Mais vraiment beaucoup trop loin, quoi. Ok. Ouais, putain, ça va être chaud. Ah, bordel. Ah, quel dommage. Quel dommage. Eh oui. Dommage, c'est 50 rubis la partie, tu veux rejouer? Bah, on va tester, hein. Si oui, bah, tu vas pas me la faire à chaque fois. Ok. Je dirais 20, 25, 22, 23. Qu'est-ce que vous en pensez? Cinq, un test.
Ah yes, 25 c'est bon. Donc là je dirais 30 pour celui du milieu. Peut-être. Ah non. Putain ta mère. Ok. Par contre, les deux autres... Et lui, je dirais soit 45 aussi, soit peut-être un peu moins, genre 42. Ah merde, sérieux? Il est plus loin? Ça tombe devant lui, hein? Putain, il me reste un boulet. Yes, putain. Bon, par contre, je pense que je récupère pas ma mise. Hein. Dis donc, pas mal. Moi, mais nous n'accepterons pas aussi facilement de partager les trésors gagnés. Capitaine. Gonzo, je pense que nous pouvons l'accepter momentanément comme membre de notre équipage, non? Ne sois pas si sévère. Tu vises bien, dis-moi. Tu me plais, tu sais. Nous allons partager les trésors troués avec toi, comme promis. Tiens. Ah, le bon quart de cœur. Merci de ta visite. En repartant, fais attention à ne pas tomber en descendant l'échelle. Donc, en gros... J'imagine que je peux gagner un quart de cœur supplémentaire si... Si je le fais en moins de 5 boulets ou si je bats le record ou je sais pas quoi. N'empêche que cette île, on dirait quand même vraiment une cacahuète. Hein. Pipi. Oula, mais elle a monté l'eau ou quoi? Non, mais en fait, c'est pas lui à Mercantile, c'est son frère jumeau, tu sais. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller aux îles Géminées? Du coup. Ah, mais il y avait une autre pancarte là. Il y a une autre pancarte? J'ai pas vu. Il faut que j'aille la lire. Ah, maintenant ça me file le vertige quand j'imagine qu'en dessous c'est Hyrule et tout. Je suis en train de voir tous les... Je suis en train de voir la map de Breath of the Wild, mais genre en dessous. L'île septentrionale des fées se trouve plus au nord. D'accord. Alors du coup, plutôt les fées ou plutôt l'île des Géminées? Il a dit qu'elles étaient à l'ouest. Elle était à l'ouest, l'île des Géminées. Ça doit être vers la forteresse maudite, j'imagine. Déjà, on va aller faire un petit tour à Mercantile. Mais... Oh.
Les mouettes, avec moi! Oui! 14h45. Voilà, des sous. Clairement, en tout cas, dans ce Zelda, c'est pas l'argent qui manque. Hein. Bon alors, lui, il va arrêter de nous faire la gueule, vous pensez? Maintenant qu'on lui a sauvé le cul. Il va nous parler meilleur ou pas? Bienvenue, t'es à la poudrerie! Vas-y, choisis tes articles avec elle. Ah voilà, 20 rubis. 35 rubis. Beaucoup mieux tout ça. Tu vois, c'était pas si difficile. Moi, je paye pas pour des bombes que je peux trouver dans les plantes, hein. Lion rouge, il est mignon, il a fait le tour tout seul. C'est gentil de sa part. Ton amant. Et ils me servent à quoi, moi, tous les chouchous que j'ai? Salut, Random User. Ah, faut que je lui montre les chouchous? D'accord. Oh, c'est de la gelée chouchou que vous avez là. Tiens, tiens, quelle drôle de couleur pour une gelée chouchou. Serait-ce une nouvelle espèce? Je n'ai encore jamais vu cette couleur de gelée au Pacha où je vais souvent chercher mes ingrédients. Mais je suis un artiste de la potion et cette rareté m'inspire. Oh, j'ai cru un instant que nous allions y arriver, mais ça ne suffit pas. Désolé, mais pouvez-vous m'en apporter une quinzaine de la sorte? Il me faut au moins ça pour pouvoir préparer une potion. Je ne peux pas en accepter moins. D'accord. C'est de la gelée chouchou que vous avez là. C'est vraiment judicieux de votre part de m'apporter des ingrédients. Je vous en prends 5 gouttes. Et pour vous remercier, je vous offre un flacon de potion.
Oui, enfin, encore faudrait-il pour cela que vous ayez un flacon vide, désolé. Putain, mais j'en veux des flacons. Je les trouve où, maintenant? Bon, moi j'aimerais bien aller explorer des trucs genre, des trucs hors, hors du scénario, un peu. La quête de nuit sur cette île pour avoir un flacon, non? Il y a une quête de nuit. On peut la faire si vous voulez. Alors, où quelle est la quête? Réussir à choper la fille qui tente de voler dans un coffre. Allez, laisse-moi t'acheter ta super voile. Bien, 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 je tiens à tous vous remercier, chers collectionneurs passionnés, d'être venus si nombreux ce soir. Nous allons pouvoir ouvrir les enchères et deviner par quoi nous allons commencer ce soir. La voile, putain, la voile. J'ai tellement hâte de vous le dire que je n'arrête pas de renifler. J'ai l'honneur de vous annoncer que l'objet mis en vente ce soir est celui-ci, le putain de voile rapide. Ne ratez pas votre chance cette fois. Et merde, bah oui, forcément. Je l'ai pas vu du premier coup, du coup elle va coûter plus cher. 100 rubis. Prêt? C'est parti. Je sais pas s'il vaut mieux que je laisse passer. Je les laisse monter. Et j'attends qu'ils disent qu'il reste genre 3-4 secondes et je balance le prix. Mais non. Bienvenue à toi, Hugo.
Mais il reste 20 secondes. Il reste 20 secondes, j'avais large le temps. Là, maintenant, je vais me faire niquer. Il reste 10 secondes, faut que j'arrive à tenir 10 secondes. Non! Ah, c'est bon. Tu m'auras pas cette fois. Niquez-vous! Voilà! Nani? C'est ça. Ah, enfin! Félicitations! J'ai oublié de le faire avec l'accent. Félicitations! Vous obtenez une voile rapide, fruit des dernières innovations technologiques. Cette voile rendra votre bateau plus rapide que jamais. Mieux encore, avec elle, vous aurez toujours le vent en poupe, hissé là pour qu'il souffle automatiquement dans votre dos. Incroyable, plus besoin de faire la mélodie du vent. Plus besoin de sortir la baguette à chaque changement de destination, voyager n'a jamais été aussi agréable. Et vous êtes si jeune, j'ai rarement vu un jeune homme aussi généreux. Voilà. Chers amis, chanceux ou moins chanceux, merci à tous d'être venus ce soir. Allez, à plus. Eh ben, t'es fort, mon garçon. Je sais. Tu ne devrais pas dilapider ainsi l'argent que tu as dû gagner à la sueur de ton front, mon garçon. Et toi, tu fais quoi, connasse? Le truc pour les enchères, c'est de pas hésiter à y aller très fort quand on les a fait monter. Essaie de faire grimper le prix très haut brutalement. Si tu t'y prends bien, les autres seront sous le choc et ils mettront un bon moment à réagir. Le temps qu'ils reprennent leurs esprits, le prix ne grimpera plus et tu pourras obtenir certains lots pour moins cher que prévu. Comment, tu sais déjà tout ça? J'ai dû te sous-estimer. Et oui, Michel. Bravo, jeune homme, cette fois-ci, tu m'as battu. Ouais. Pourquoi, zut alors? Ouais, toi t'es un connard. Et toi t'es un connard ou pas? Mais comment peux-tu avoir autant d'argent? C'est incroyable, je ne t'arrive pas à la cheville. Ah non, toi tu me fais des... Toi tu me fais des rondes jambes, toi. Alors, il y a une fille à intercepter qui vole des coffres, c'est ça? Je sais pas quoi, vous m'avez dit. Si par où? Eh ben, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-là, à ton âge? Toi aussi, t'es passionné d'astronomie? Alors viens voir un peu par ici. Ok. Peu de choses m'intéressent dans la vie, mais depuis toujours, j'adore contempler le ciel, la nuit. Si tu as l'objet qu'il faut pour contempler les étoiles, regarde-moi un peu cette lune.
Oui, je l'ai. La lune est vraiment belle ce soir encore. Est-ce que tu le sais? La lune, la forme de la lune change un tout petit peu chaque nuit. C'est tout ce que tu voulais que je voie? Hein? Je trouve ça apaisant de contempler la lune patouée. Si, c'est sympa. Et là, Screamer avec la lune de Ocarina of Time, exactement. Bon. Eh bah, c'est bien tout ça, mais j'en ai marre d'être là. D'ailleurs, il est 15h02, c'est l'heure d'arrêter le live, les loulous. On va dire. Allez, on fait un petit quart d'heure de plus. Après, je m'arrêterai parce que j'ai faim. Ah, c'est les petits loupards. Hein? Ah bah oui, il est 15h. Oui. Bah oui, tout le monde chez Panda. Allez hop. On est mercredi ou quoi? On est mercredi. Oui. Tu vas, je te fais un raid et puis je t'envoie tout le monde. Ouais. Tu lives sur quoi? Dragon Ball Fighters. Ah, Panda va live sur Dragon Ball Fighters. Avec peut-être Benzaï plus tard pour se taper sur la gueule. Ah, peut-être avec Benzaï pour se taper sur la gueule. Bon, bah du coup, vous savez quoi? On va vous envoyer chez Panda. T'as commencé? T'as lancé? Ok, je t'envoie tout le monde. Enfin, tous ceux qui veulent y aller, évidemment. On vous force à rien. Hein. D'accord. Passez une très bonne après-midi. Pour ceux qui vont chez Panda, amusez-vous bien. Les autres, essayez de passer une bonne après-midi quand même. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain midi. Et moi, je vais travailler en attendant. Je vous embrasse fort. Merci à tous d'avoir regardé le live. C'était adorable. Comme d'habitude, vous avez été des anges. Vous m'avez beaucoup aidé. C'est toujours appréciable. Des bisous. Prenez soin de vous. Ah bah le raid il marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ah mais parce que j'arrive pas à envoyer des messages dans le chat. Ça marche pas. J'ai un bug avec Twitch, j'ai un problème. Bah, est-ce que je peux juste vous envoyer? Lien supprimé, bon bah, très bien. J'essaie de recharger ma page internet et de voir si ça se débug ou pas, mais... Avec le bug de pseudo, là. Non, ça peut pas. Bon, bah, je sais pas s'il y a un modo de connecté qui peut vous mettre le lien. Sinon, c'est twitch.tv/thesadpanda avec un Z. Voilà. Je vous fais des bisous, à bientôt. twitch.tv/ZESADPANDA The Sad Panda.